Salut, je m'appelle Sylvie, je suis accompagnatrice en montagne. Bienvenue dans ce beau Val d'Anniviers. Après ce long confinement, j'imagine que vous avez aussi envie de vous dégourdir les jambes. Alors je vais vous donner 5 trucs et astuces pour faire de belles randonnées cet été. C'est parti! Première chose à faire avant de partir en randonnée, la planification. Et pour ça, on va d'abord aller sur l'application de Météo Suisse pour voir le temps qu'il va faire. S'ils annoncent grand beau, on peut partir. Et là, on va pouvoir planifier sa course en utilisant une carte. Ça vous permet de tracer votre parcours, de voir les difficultés qu'il va y avoir sur le parcours et puis aussi de pouvoir évaluer son temps de marche. Deuxième chose, la sécurité. Ne pas oublier la boussole pour pouvoir se situer à tout moment et surtout en cas de brouillard. Prendre aussi son altimètre pour évaluer le temps de marche jusqu'à la prochaine altitude. Et surtout, ne pas oublier de prévenir quelqu'un avant de partir. Allô Marcel ? Ouais, alors je vais à Navarre, hein ? Je reviens vers 17h normalement. Les chaussures. Alors pour des randonnées en montagne, vaut mieux prendre des chaussures semi-montantes ou même montantes un peu plus haut si on pense qu'on va traverser des pierriers. Le but est que ça tienne bien la cheville quand même. Hein. Et puis avec des semelles assez profilées et le petit insigne jaune ici, Vibram, ça c'est pour amortir les chocs. Préparation du sac. Alors pour une balade à la demi-journée, on peut très bien prendre un petit sac de 20 litres. Ce sac-là qui fait 28 litres sera plutôt pour une journée ou plusieurs jours. Mais attention, hein, plus le sac est grand et plus vous allez mettre de choses inutiles dedans, plus le sac sera lourd et plus ça sera difficile. Voilà comment on remplit un sac. Une petite doudoune en plume qui ne prend pas de place. Une veste coupe-vent. On va mettre aussi la pharmacie. Ah, ça c'est le petit luxe. C'est pour s'asseoir. Ensuite, la bouteille. Je les mets à l'intérieur parce qu'à l'extérieur du sac, dans les poches, je trouve que ça chauffe. Le bonnet élégant, s'il fait froid en altitude, la lampe frontale. Si jamais on est pris par la nuit, au moins on a quelque chose. Le petit encas avec les fruits secs. Ensuite, devant, je vais mettre la carte de la région. Le couteau suisse, indispensable. Voilà, maintenant je peux fermer le sac. Le reste, la crème solaire à proximité, la casquette s'il y a trop de soleil. Les mouchoirs à portée de main, l'altimètre, boussole, les bâtons. Et puis pour finir, le téléphone. On est prêt et on peut partir. Reconnaître les panneaux de signalisation. Les panneaux jaunes, ce sont les chemins de randonnée, accessibles à tout à chacun. Les panneaux blancs, rouges, blancs, les chemins de randonnée en montagne, avec peut-être des petites difficultés, des dénivellations importantes. Et si vous avez des panneaux blancs, bleus, blancs, alors là, attention, ce sont des randonnées alpines et vous aurez des difficultés. Et si vous voulez en savoir plus sur la randonnée, retrouvez-nous sur anniviersformation.ch où vous trouverez toute une panoplie de cours pour vous perfectionner. Voilà, au revoir, à bientôt !